Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment je procède pour laver mes couvertures. Donc, comme vous le savez, on est à la fin de l'hiver et à la fin de l'hiver, j'ai pour habitude de laver les couvertures de mes chevaux. Donc, pour ceux qui sont tondus, pour le coup, il n'y a pas trop de difficultés et pas trop de choses à faire avant puisqu'il y a très peu de poils à l'intérieur. Mais pour vous, j'ai choisi la couverture la plus déglinguée aussi et surtout la couverture la plus poilue. Voilà, on adore. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment j'enlève tous les poils de ma couverture parce que naturellement je ne la passe pas en machine comme ça. Je vais vous montrer aussi comment je la passe en machine, mais ça je pense que vous savez. Voilà. Et donc on se retrouvera demain pour tout ce qui est la partie finition. En fait, une fois qu'elle sera sèche, je vais vous montrer que je vais venir recoudre les trous que pour le coup ma fille a pu faire dessus, voilà, pour qu'elle soit tout à fait opérationnelle pour l'année prochaine et pour un nouvel hiver. C'est parti! Je vais tout d'abord commencer par positionner ma couverture bien à plat sur une surface elle-même bien plate. Puis, première astuce, je vais enlever le plus gros des poils présents avec un couteau de chaleur. Vous voyez que ça enlève absolument pas tous les poils, mais vraiment ça dégrossit beaucoup le travail. Une fois que vous avez passé le couteau de chaleur absolument partout, on va passer à la deuxième astuce qui est tout simplement de prendre une brosse à chien pour retirer ce qui reste. Donc il faut faire attention néanmoins au type de tissu que vous avez avant de la passer histoire de ne pas abîmer votre couverture. Mais pour le coup moi, aucun souci, donc je la passe sur toute la couverture et ça enlève vraiment beaucoup de poils. Je vais également passer un coup de bouchon afin de faire partir les poils volants et la poussière. Avant de passer pour la dernière fois ma brosse à chien, mais cette fois-ci dans l'autre sens de ce que j'ai pu faire tout à l'heure. Et enfin, je viens secouer ma couverture. La troisième astuce est quant à elle à mon sens la plus pratique puisqu'elle consiste à brosser vos scratchs avec encore une fois la brosse à chien et franchement le résultat est vraiment top. Bon, après avoir bien musclé vos bras, voici le résultat. Il y en a encore, mais comparé à avant, on est quand même plutôt pas mal. Et du coup, je vais tout simplement aller mettre ma couverture à la machine. Attention, je tiens à le préciser, ne mettez votre couverture de cheval à la machine uniquement si vos parents sont d'accord. Hein ? Moi, je sais que si je mets ça dans la machine à laver familiale, je me fais tuer, voilà, clairement. Donc c'est pour ça que nous, on a tout simplement une vieille machine à laver qu'on a récupérée, que mon oncle a réparée, et qui fait très bien le taf pour laver en fait toutes les affaires de cheval. Donc j'y mets les tapis, les protections, j'y mets absolument tout, je l'ai très bien rentabilisé. Donc voilà, si jamais vous pouvez le mettre dans votre machine, faites-le, mais demandez bien l'autorisation. Et ensuite, si vous n'avez pas de machine à laver, personnellement j'ai jamais fait, mais du coup j'imagine que voilà, vous prenez un jet d'eau avec un peu de savon et puis beaucoup d'huile de coude et puis vous arriverez au résultat final. Donc moi je vais aller mettre ma couverture à la machine et on se retrouve demain une fois qu'elle aura séché. Et pour vous c'est tout de suite. J'avais oublié, j'ai une petite blague pour vous. De quelle couleur était le cheval blanc d'Henri IV? Et je vais mettre la couverture en machine, donc pour la quantité de lessive, je mets personnellement comme pour mes lessives normales. Et pour la température, je vous laisse vous fier aux informations présentes sur l'étiquette de votre couverture. Et bonjour, on se retrouve deux jours après, maintenant que la couverture est toute sèche. Et on va faire les dernières petites retouches, puisque nous pouvons admirer ici un joli petit trou. Hein, voilà. Donc la dernière étape va consister à tout ce qui est réparation, petite réparation de la couverture, histoire qu'elle me tienne un peu plus longtemps et qu'elle puisse faire d'autres hivers tout simplement. J'ai oublié de vous préciser, quand je lave les couvertures, vous pouvez aussi rajouter un imperméabilisant avec la lessive. Pour recoudre, vous aurez besoin de tissu pour recouvrir les plus gros trous. Veillez à prendre du tissu adapté à votre couverture. Si celle-ci est imperméable, les trous de l'extérieur doivent être rebouchés avec une matière imperméable par exemple. Du fil, des ciseaux et des petites épingles.
et je vais donc positionner mes épingles pour coudre. Pour le coup, je suis absolument pas un exemple puisque ce que je le fais un peu au feeling et c'est pour ça que je vous donnerai pas de conseils à ce niveau-là. Je vous laisserai donc demander à votre entourage comment on fait pour coudre. Et enfin, la dernière étape va être de plier la couverture. Pour cela, je l'étale. Je commence par rabattre un côté sur l'autre avant de glisser à l'intérieur mon protège-queue et poser mes sanglons sur le dessus. Puis je vais rabattre le poitrail. Avant de la replier en deux, puis en trois. Et ça y est, elle est pliée. Plus qu'à la fermer dans un sac pour la protéger pour l'année prochaine. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, c'est à vous de jouer. J'espère qu'elle vous aura plu et bien motivée. Quant à moi, j'ai d'autres couvertures à laver, alors je vous fais de gros bisous et à lundi prochain, 18h. Ciao!